Bon, on va parler de quelque chose, de quelque chose. On va parler. Je vais parler, parler, je vais parler. Bonsoir Simon, bonsoir Nat, Clotilde, bonsoir. À Metz. Langue de bois, à Metz, ah ou non. Non, aujourd'hui, non, on n'est pas. Ouais, ce sont les affaires, ce sont les affaires. Si je suis là, ce sont les affaires qui m'obligent. Ce sont les affaires qui m'obligent à être là. Ce n'est pas que je suis là parce que je veux être là. Vous savez, maintenant, toutes mes activités sont au pays, donc ce sont les affaires qui m'obligent à être là. Vous partagez, vous partagez, vous partagez, vous partagez. Vous mettez les étoiles, hein, parce que tu quand même m'as dit hier que, Amen, enfin, tu as compris que. Non, je suis venu pour les partenaires légionnaires. Je suis là pour les partenaires, donc j'ai encore trois rendez-vous. J'ai encore trois rendez-vous et après je rentre. Non. L'avenir, c'est au Cameroun. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet ce soir, c'est. Moi, je ne sais pas ce que je dois dire ce soir. Donc, annoncez-moi le sujet. Parce que ce n'est pas envie qu'on dise qu'au Amec, Amec, tu en as parlé des gens. Écrivez-moi le sujet là, moi, et plan directement. Je n'ai pas envie qu'on passe comme si vraiment je préparais. Non. Sortez-moi le sujet. Mais tu n'as pas peur qu'on. Ah non, à peur de quoi, dis donc. Est-ce qu'un homme tremble? Oui, Nathalie Ngacha. Eli, donnez-moi un sujet. Je ne veux pas. Pardon, par contre, il faut beaucoup liker. Vous likez, vous envoyez les étoiles. Vous ne pouvez pas me dire que Dukama a plus d'étoiles que moi. Est-ce que bien moi j'ai mes étoiles? Comme ma page est bloquée, comme n'est pas permis là. Vérifiez un peu si je peux avoir les étoiles. Parce que ma page, c'est une page bloquée everyday. Attendez, vérifier si on peut mettre les étoiles là-dessus. Hey, j'ai une vieille vidéo qui est sortie. Hey, quand je joue au basket en Bengo en 2011. Hey. Ouais, attendez, regardez-vous sur une vidéo là. Il vient de retrouver une vidéo. Ouais, je vais comment il va faire pour partager ça. Elle est en sourdine en plus. Oui, je viens de la partager, attendez. Regardez, quand je joue au championnat de basket en B. Le gars qui est là, c'est moi. Amen, Amen. Attendez, 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 attendez. Faut bien regarder. Hein. Nous, on n'est pas là les voir que. Quand on dit que nous, on a fait un bien, attendez, je mets la vidéo là au milieu du départ. Oh, Amen, Amen. C'est une vieille vidéo. Ouf, 2010. Attendez, vous montrez la vidéo avant de commencer, nous, les vraies choses. Attendez. Voilà, je vais vous jouer la vidéo. Attendez-vous sur la vidéo. Je remets la vidéo au départ. Bon, attendez. Là, me voilà qu'on a dit le ballon. Là. Me voilà qui a. Voilà. Oh, Amen. Oh, non. Comprends pourquoi on a dit au basket. Bon, on parle de qui? On parle de qui? Attendez, attendez, attendez. Je commence à bloquer les marabouts qui arrivent sur mon live. Je commence à les bloquer tous. On parle de qui? Tu es venu prendre ton argent. Non, je ne touche pas la CAF. Je ne touche pas la CAF. Attendez. Faut que je bloque. Je commence à mettre. Hey, bloquez-moi tout. Oui, salut Joseph Atebankou. Hey, Atebankou. Hey, c'est comment non, Atebankou, comme toi aussi. C'est parce que. Eh non, Sa Majesté, 2025 arrive. Ça veut dire que pour l'instant, d'abord, on est dans le Congo, ça. 2025 arrive, il faut que les gars soient prêts.
Ça dit que ça deux pour l'instant, je suis ami avec les gars du RVC parce qu'il n'y a pas les élections. En 2025, là, on va commencer quand on a le. Et on va. Donc, on va commencer quelque chose sur Chrétien Bouin. Mon bon peintre. Loïc Chapuet, là. Vous finissez. Loïc, mets-moi les étoiles, non, c'est comment? Vous n'avez pas. Donc, moi, je n'ai pas les étoiles. Ma page est encore bloquée. Comment ma page est bloquée tous les jours? D'ailleurs, que moi sur Facebook que sa page est bloquée. Bon, on parle de quoi? Parce que moi, je n'ai pas envie que. Donc, moi, je n'ai pas envie qu'on dise. Parce que les gens disent que, oh, Amérique a aimé trop le Congo, ça. Non, on a dit ceci. Si, même le pasteur au rendez-vous. Bombardez-moi les partages. Et ça, les partages. C'est-à-dire quand Amé est connecté quelque part. Loïc, il faut dire à la Lyon que par là, je suis connecté. Qu'elle quitte d'abord là-bas, qu'elle arrive ici. On va se dire les vérités. Hein, Loïc? On va se dire les vérités. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Les blogueuses qui demandent déjà l'argent. On va tenir ça. On va mettre d'abord vos pictures, comment vous êtes dans les Ndjoka, avant de venir à ces deux gens. Mais avant ça, Loïc actuellement, mon frère, il y a le Ntoto au pays actuellement que mon frère, Loïc n'a seulement le Ntoto, Ntoto, mon frère, il n'a même pas besoin de, il met seulement le Borda, qu'apparemment les gars m'ont appelé la dernière enseignement que j'ai eu, apparemment quand Loïc entre en boîte, attendez, je vais vous montrer comment il entre en boîte de nuit. Je vais vous montrer comment Loïc entre en boîte de nuit au pays. Quand Loïc entre en boîte de nuit au pays, il prend son bordeaux, pose en haut comme ça, il fait seulement ça. Il pose le bordeaux en haut comme ça, la lingua commence à courir seul. C'est le dernier invoque. Non, le bordeaux. Non, pardon, ce n'est pas mon bordeaux. C'est le bordeaux du Mouna. Pardon, ce n'est pas mon bordeaux. C'est le bordeaux. N'allez pas dire Kamer, Kamer, dit que pardon, ce n'est pas mon bordeaux, c'est le bordeaux du Mouna. Donc quand Loïc entre en boîte de nuit, d'après les dernières informations qu'il y a, après, il met le bordeaux en haut comme ça là. Il pose le bordeaux comme ça en boîte de nuit, il pose ça sur la table, il met le bordeaux devant, il reste comme ça. L'engraquem seul. Papa, ouais, pourquoi on m'appelle papa Kongosa? Est-ce que j'aime le Kongosa? Pardon, partagez, il faut qu'on atteigne le maximum de partage, au moins 500 partages. Parce que maintenant la page va prendre feu. Ça va prendre feu le tout si hoha. Bon. Tac, tac. Tout le monde m'appelle seulement papa Kongosa. C'est même quoi ça? Ce n'est pas mon nom. Hein. Il n'y a pas que le Kongosa que je fais dans la vie. Hey! Tout le monde au rendez-vous. Bon, on commence quand on sera 500. Pendant ce temps, on tape le commentaire. Donc, il y a les gars ici dans le bain. Oh, blogueuse. Oh, blogueuse. Adama. Bipez-moi mes sangs. Et dit, convoquez-moi mes sangs ici. Oui. Vous aimez les grands noms. Les bas pétroliers, les bas Chivax. Ils ont encore le nom. Oh, Amane Bignac. Oui. Oh, Dom Pérignon. Ils sont là, les bengistes. Oui. Vous montrez une vie dans les réseaux sociaux. Ça dit que, attendez, d'abord, qui est Kamel 100%. Ça dit que vous montrez une vie dans les réseaux sociaux. Maman a Louis Vuitton. Maman a Christian Dior. Oh, Prada Gucci. Voilà les noms. Oh, Prada Gucci. Voilà encore les bas. Ils ont encore notre nom là. Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié ma soeur. La Oprah Camerounaise. Naba Lolo na Oprah. Maman Jo. Non, mais là, c'est pas ça. Na Oprah na Gélule. Maintenant, on va t'appeler Oprah na Gélule. Na Lolo na Gélule. Oui. Vous aimez qu'on vous invite. Vous ne payez rien. Allez travailler. Quittez derrière le RSA. Quittez derrière le RSA. Allez travailler. C'est de ça qu'il s'agit.
Allez, walk. Vous êtes là. Nous, on n'a pas le cœur là. Moi, je n'ai pas le cœur là. Parce que, oui, Amen, quand même, n'a pas conçu. Hé, hey, maman. Mon derrière là. Ça n'a pas le courage pour le construire. Je vous dis. Il y a beaucoup de Camerounais qui mentent, qui sont féminins. Tu les connais. Quelqu'un tente là, j'envoie un nom. Un nom populaire qu'on connaît tous. Il y a les Camerounais qui mentent, qui sont féminins, et pourtant qui donnent le derrière. Ah, on n'a pas le courage pour donner le derrière. Hein. Parce que quand on entend comment on fracasse les gars, que les gars marchent avec les couches, on n'a pas le courage là. Hein. Je dis souvent que j'ai le cœur, mais là-bas, hein, que moi, parce que je construis un carabot au pays, on va me fracasser le derrière. Il va venir mentir que si on me Il y a beaucoup que le feu a laissé. Il y a beaucoup que le feu a laissé. Mais ils viennent mentir aux gens que non, ils sont hommes d'affaires, ils sont hommes d'affaires. Ils sont hommes d'affaires où? Ils sont hommes d'affaires où? Des gens qu'on concasse le derrière ici. Il faut les voir dans le 8e. On les concasse pas n'importe où. On les concasse dans le 8e. Dans le 8e. Et qui les concasse encore, il faut voir. Eh? Mm-hmm. Ils viennent vous mentir au Cameroun qui sont féminins. Ils sont hommes d'affaires. Eh? Tu arrives. On insulte Amer Kamen. Oh, Amer Kamen, 24 dépassé. Tu es rentré faire les champs au pays. Ah! Rentre-moi faire mes chants. Moi, je n'ai pas le courage pour guider derrière. Et qui? Ceux ont le courage. Dieu, on n'a pas donné le courage à tout le monde. Mon courage a les limites. Il y a un genre de courage que mon courage ne dépasse pas. Moi, j'avoue de voir que non, là-bas, il ne peut pas. Que dans le derrière, on me concasse derrière comme ça parce qu'il va le construire au Cameroun. On me concasse derrière parce qu'il faut que j'aille habiter dans les meublés. On me concasse derrière parce qu'il faut que j'aille paraître au Cameroun. Hey! Non, c'est pour ça que ça me dépasse. Ça me dépasse. Moi, je vous dis la vérité. Ça me dépasse. Je n'ai pas envie qu'on a dit là-bas. Je préfère qu'on dise qu'il n'est pas construit. Je préfère. Hein, il n'est pas construit. Construire est venu louer. Il dit, construisez-moi, il est venu louer. Pendant que c'est ton partage. Il y a un gars ici. Hein? Elle construit au pays avec les allocations des enfants. Maman. Certaines femmes n'ont pas le cœur de concevoir les allocations des enfants. Certaines femmes préfèrent prendre les allocations des enfants, donner l'éducation aux enfants avec. Certaines femmes n'ont pas le courage d'aller prendre les allocations des enfants, aller concevoir au Cameroun. Après un enfant que l'enfant a 11 ans, 10 gardes à vue. L'enfant a 9 ans, 3 gardes à vue. Il y a certains enfants de 8 ans qui sont en garde à vue parce qu'ils trafiquent long cours. Mais il n'est pas le cœur là, pardon. Terre. Ça là, ça me dépasse. Je ne peux pas avoir le cœur là. Ok. J'ai dit le dernier, on framponne ça passer au conso au pays. Je n'ai pas le souffle. On continue les partages. On continue les partages. S'il vous plaît, partagez au maximum. Là, on a combien de partages? Les gars, maximisons le. Envoyons ça partout. Là, on a 99 partages. Ce n'est pas, ça n'a pas encore été le maximum. Partageons encore pendant qu'on est là. Pendant ce temps, on continue à développer. Il y a les femmes qui ont décidé ici que les allocations des enfants, elles vont donner ça à l'éducation de leurs enfants. Il y a d'autres femmes qui ont décidé que les allocations... Le 25 ici, à Paris, les allocations des enfants vont chauffer. Les enfants n'ont pas eu des habits de Noël. On donne aux femmes l'argent, certains leur donnent même 3000 euros. La femme a 3 enfants, et on lui donne 3000 euros d'argent des fêtes. Elle prend 500 euros. Elle paye les enfants avec. Les autres 2500, hein, hey, ils ont la soirée camoulaise, soirée des grandes dames de ceci, soirée des boys de cela, les pétroliers. Ça dit que la diaspora a rempli. Maman, l'argent des enfants a pleuré avec les histoires des allocations. L'argent des allocations des enfants, il fallait voir pendant les fêtes. Le 31, alors c'était grave. Les enfants étaient enfermés dans les maisons. On partait déposer les enfants chez les marraines un peu partout. Parce qu'on gonjouka dans les soirées camoulaises où la bouteille de champagne est à 500 euros.
Bouteille de champagne, 300 euros. Les bouteilles de champagne qu'on paye dans les magasins là-bas à 23 euros, à 25 euros. Là-bas, hein, c'était là-bas 500 euros. Maman, pour prendre la table, il fallait avoir là-bas 5000 euros. Maman, l'argent des allocations des enfants, c'était le hélélé. C'était le hélélé. Du coup, on entre dans quelque chose d'extraordinaire. On entre dans... En tout cas, j'étais dans les réseaux sociaux. Je traînais par là parce que je ne voulais pas qu'on dise quand même, tu n'as le coup pour ça. Je suis tombé sur une photo dans les réseaux sociaux tout à l'heure. Je ne sais pas quoi signifie cette photo, mais je pense que en mettant les enquêtes. Vous connaissez la femme ici? Attends, je tourne. Je ne sais pas où. Il dit seulement si vous connaissez la femme, si. Parce qu'il ne sait pas si c'est elle. Vous connaissez la femme, si. Si vous connaissez, il faut écrire son nom directement. On commence vite. Adama, est-ce que vous connaissez l'Angasi? Si vous connaissez l'Angasi, donnez son nom. Est-ce que vous connaissez l'Angasi? Ouais. Il faut me dire. Ouais. Il n'est pas envie qu'on dise qu'à mer. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Est-ce que vous nouez l'Angasi? On va se mettre comme ça. Est-ce que vous nouez l'Angasi? En tout cas, les stars sur Facebook. Hey, Polo. Là, elle avait Polo. Maman, les stars. Maman, là, elle a le sac. Elle dit que le sac, on va un peu. Pardon. Après, du Congo, ça a cuit. On va aller pas à pas. Nous, on n'est pas pressé. Surtout. Étienne. Ici, nous constatons qu'elle est en Gucci. Nous constatons que c'est un sac Chanel, parce qu'il faut bien zoomer sur le sac Chanel, c'est très important. Nous en comptons, elle a le sac Chanel, elle a un t-shirt Gucci. Adama. Et de l'autre côté, nous constatons que elle est assise sur une chaise. On appelle ça la chaise de ceux qui ont le dos, la chaise de ceux qui sont l'autre. Ça, c'est... Mais par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. En entrant dans les recherches approfondies, parce que moi, quand il parle, en entrant dans les recherches approfondies, je vais aller sur sa page, bien évidemment. Je vais aller sur sa page, bien évidemment. Je vais aller tomber sur un live. Voilà. Je vais tomber sur ce live-ci. Le live de la mendicité. On va déchiffrer ça. C'est très important. Il y a des phases. Voilà. D'autres aussi qui en sortent. J'ai pu réactiver. Il y a des parties essentielles. Rempli pour mes enfants et moi. Voilà. Attends, on me pose quelque part là. Voilà. Non, on ne me pas posé. Je vais faire un café de temps.
bonne petite capture. On va encore, avant de... Attendez. Avant de mettre, on va mettre beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Elle n'est pas favorable. On sait. On sait qu'elle n'est pas favorable, maman. Ne nous dis pas ça. On est dedans, nous tous on est dedans. On ne peut pas bénéficier de ça facilement comme ça. Ouais, on sait. On va revenir après. On met d'abord pause. Pendant que la femme commence à faire son doutou de l'argent, on va remarquer quelque chose de très important. Regardez ses ongles. Ses ongles sont bien faits. Attendez. Voilà les ongles de Langa. Vous avez vu à ce niveau. Ses ongles sont bien faits. Hein? Ah oui, oui, pour une femme qui est en train de simuler comme elle est en train de pleurer tout à l'heure, vous voyez. Vous voyez comment ses ongles sont bien faites. Bon, elle a seulement oublié que le côté, ça allait sortir. Donc, elle a oublié le côté-ci. Mais elle pensait que ça n'allait pas comme moi. Mais nous, on a repéré le côté-ci. Vous voyez comment les ongles... Le 5 même est dehors. Ça veut dire que le 5 même est dehors. Ça veut dire que pour se positionner, pour demander l'argent, elle se met bien. Elle se met bien pour demander les dos. Mm-hmm. On va continuer dans un autre... Il y a un autre truc qui est très important. On va classifier ces vidéos et on va maintenant développer sur autre chose. Voilà, là, il y a des parties dans la vidéo qui sont vraiment... Regardez, voilà. Attendez. La partie du film que moi j'adore, ça arrive. La réponse que j'ai reçue, ça m'a... Attendez. Voilà. Ça m'a... Elle n'est pas favorable pour moi et mes enfants. On ne peut pas bénéficier de ça facilement comme ça. Et là, vraiment, je suis obligé de prendre un avocat parce que, comme je vous ai dit tantôt, même l'assurance maladie, ces enfants n'ont pas. Elles n'ont pas d'acte de naissance. Elles ont des certificats de naissance. Un papier qui certifie que oui, elles sont nées. Sur le territoire allemand. Mais n'ont pas d'acte de naissance. Donc, pour tous ceux et celles qui... Excusez-moi, s'il vous plaît, j'aime pas ça. C'est là la femme commence. Elle est claire, excusez-moi, je n'aime pas ça. C'est quand même. Je laisse... Je laisse mon orgueil de côté. Attends, on me pose. Après, on va revenir. C'est la partie-là qui m'intéresse. C'est la partie-là qui m'intéresse. Elle vient dire qu'elle laisse son orgueil de côté. Elle laisse son orgueil de côté. Pour venir demander l'argent. L'orgueil d'un pauvre fait quoi dehors? L'orgueil de la pauvreté fait quoi dehors? C'est la femme-là qui dit que je mets mon orgueil de côté. Je vais revenir en amont sur une autre vidéo. Vous avez dit que vous voulez les réseaux sociaux. On va vous servir. Attends, je mets une autre vidéo. Toujours, je vais mettre une autre vidéo. Elle dit qu'elle met son orgueil de côté. Ah, maman, je vais te traiter. Je vais te montrer que ton orgueil de côté, là, on a pris ça. Tu mets ton orgueil de côté. Oui, maman, tu mets ton orgueil de côté. On va aller voir une autre vidéo. Une autre vidéo très importante. Et là, on va voir si tu as l'orgueil. Je mets l'orgueil de côté. Je mets l'orgueil de côté. Vous avez vu? Ma chérie, je suis entré dans ton Facebook. J'ai récupéré toutes tes vidéos. J'ai déposé ça comme ça, j'ai disséqué pour voir un peu quel genre de femme tu es. Tu mets ton orgueil de côté que tu as quoi? La mère Camon peut dire qu'on met l'orgueil de côté. Parce que valeur du travail, on préfère mourir dans la dignité que de demander l'argent.
On préfère mourir dans la dignité que de demander l'argent. Toi, tu dis que tu mets ton orgueil de côté, tu as quoi? Tu as quoi? On te voit bagarrer à... Tu mets ton orgueil de côté, que tu as quoi? Tu viens faire la mendicité, tu viens mendier. Une femme comme toi avec deux mains, tu viens mendier. Tu n'as pas honte? Mais les photos avec Sergio Polo. Ah non, parce que tu as les photos avec Sergio Polo. Ah non, tu as les photos avec Sergio Polo, maman. Ici, tu as un Polo, non? Tu as un Polo, non? Eh non, on m'a dit que non, c'est vrai. Ici, tu fais quoi ici? C'est la vie si que tu aimes, non? C'est la vie si que tu aimes. C'est la vie si que tu montres dans les réseaux sociaux que tu as. Hmm? C'est la vie que tu montres autant que non. Je suis dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà ce qu'on vous reproche, vous les femmes. Tu pensais que tu vas arriver ici. Je vais tuer le Polo là. Et je vais signaler ton live. Le litige que tu as mis là, il va signaler ça. Il te dit, personne ne va donner un centime là-bas. Va dans les ténébreuses, alors qu'on va continuer là-bas. C'est pour ça que vous souillez la diaspora camerounaise. Vous souillez les Camerounais tous les jours. Tu viens manger, tu viens manger. Tu viens manger quoi? Parce que tu es allé faire deux choix, boire des dérives. Tu as profité, tu t'es filmé au maillot de Lidl. Tu t'es filmé. Filme-toi, fais encore le maillot de Lidl, on voit. On est là, non? Fais encore un live dans ton lieu de travail. On voit. Je te lance un défi. Vous allez vous filmer. Vous profitez, vous filmez. Quand le jour où vous allez, on vous a harcelé d'aller travailler. Vous profitez, vous filmez, vous venez poser les réseaux sociaux pour montrer aux gens que vous travaillez. Tu travailles quoi? Jusqu'à ce qu'il ait dit que je mets mon orgueil de côté. Un mendiant à l'orgueil. Ma chérie, un mendiant à l'orgueil. Quand on parle d'orgueil, c'est pour ceux qui voient. C'est pour les gars du terre, ceux qui se lèvent tous les jours. C'est pour les femmes de ménage, elles disent qu'elles ont l'orgueil. Elles déposent l'orgueil de côté pour pouvoir payer les études à leurs enfants. Elles se tapent le ménage. Et ça, on dit qu'on met l'orgueil de côté. C'est quand tu viens faire le ménage, ton patron te parle, ton patron t'insulte, ton patron te marche dessus. Pour le bonheur de tes enfants, tu mets l'orgueil de côté. C'est ça qu'on appelle l'orgueil de côté. Tu vas manger, tu mets l'orgueil. Il y a l'orgueil dans la mendicité. Il n'y a ni orgueil, ni honneur dans la mendicité. Ce que tu as de faire là, c'est la mendicité à l'état pur. Tu as dit qu'on continue l'argent. Tu es en France. Et ceux qui sont au Cameroun font quoi? J'ai un ami, handicap international. Il est paralysé. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je lui ai dit tout à l'heure que je vais l'appeler. Je vais te montrer ce qu'un handicapé au Cameroun fait pour les autres handicapés. Ce qu'un handicapé fait pour les autres handicapés au Cameroun. Tu arrives ici, tu parles d'orgueil. Toi, tu parles d'orgueil. Un mendiant a l'orgueil. Une mendiante, vous avez l'orgueil. Tu demandes l'argent des veuves, tu prends un sale mouchoir, je mets l'orgueil de côté. Je vais vous traiter dans les réseaux. Avant que les gens soient au Cameroun, là, je vais vous traiter dans les réseaux sociaux. Qu'une blogueuse vient encore avoir un problème dans les réseaux sociaux. Mon quoi, oh, je vais atterrir et qui j'ai le temps. J'ai le temps. Mais pour toi, était constaté ce soir-ci. Tu dis que je mets mon orgueil de côté. Maman, même les voleurs ont l'orgueil. Mais toi, la mendiante, tu ne peux pas avoir l'orgueil. Tu es une mendiante. Avec les enfants, tu te lèves. Au lieu d'aller trouver le travail, au lieu d'aller te passer dans les backpacks. Non. Tu viens. Je mets mon orgueil de côté. On voit comment tu as bien limé les ongles. Maman, l'argent pour faire les ongles, tu as pris ça où? L'argent pour faire les pastels dans la tête, tu as pris ça où? C'est bizarre, hein? C'est toi qui te plains que tu n'as pas d'enfants. Les enfants ne mangent pas. C'est toi qui bagarres avec les hommes. C'est toi qui bagarres avec les hommes matin, midi, soir. C'est toi qui dis à un homme que tape-moi. C'est comme ça que vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous les nouvelles femmes d'aujourd'hui, les ratées là. Aujourd'hui, vous êtes en Europe. On vous a dit qu'elle est ratée entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, c'est rare de trouver une femme qui ne sait pas attendre que les enfants partent à l'école, que la maison soit vide pour déclencher les problèmes. On a une bande de parents irresponsables. C'est quand les enfants sont là que vous déclenchez les guerres. C'est quand les enfants sont à la maison que vous déclenchez les guerres. Après, vous plaignez qu'il n'a pas de respect. Quand ta fille ou ton fils te voit comment toi, tu traites un de tes niasseurs. Où est le respect là-dedans? On t'a dit que l'enfant ne voit pas ça. Des parents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vu nos parents, quand ils bagarrent, ils attendaient d'abord qu'on parte à l'école. Nos parents attendaient d'abord que la maison soit vide avant de jacariser nos matières.
C'est-à-dire que tu venais là, tu le voyais bien. Et même quand le baptême naquait la matière, tu ne pouvais même pas savoir. Tu ne pouvais même pas savoir qu'il y avait les bagarres dans la maison. Aujourd'hui, on vous voit. Regardez. Regardez. Voilà ça. Une femme. Voilà. Parce qu'elle connaît que le gars est nerveux. Tape. Tu mets la caméra, tu demandes à un gars de taper. Parce que le monde entier doit voir ta pauvre vie. Le monde entier doit voir ta vie minable. Voilà les parents responsables d'aujourd'hui. Quand vous créez des problèmes, vous prenez des vidéos pour aller condamner les gens là devant les juges. Quand toi-même, tu te mets en vidéo, un gars qui est monté sur toi, il t'a vu dans toutes les positions, il t'a pris dans toutes les positions. Quand on dit l'orgueil, c'est là où on met l'orgueil. C'est-à-dire que tu prends ton orgueil, tu caches parce qu'il y a tes enfants. Parce qu'il y a tes enfants. S'il a touché tes enfants une fois, il n'y a pas la police là-bas. Il n'y a pas la police là-bas. Non, tu préfères filmer que d'appeler la police. Tu préfères filmer que d'appeler les assistants sociaux. Tu préfères filmer pour montrer comment on te traite que d'appeler les autres. La honte, la dignité, vous n'avez pas. Combien parmi vous, ces parents d'aujourd'hui, ont vu leur papa taper sur leur maman? Personne. Mais Dieu seul sait. C'est quand tu pars chez une tante, que chez nous, quand tu es en vacances chez un oncle, que tu entends là-bas que ton père avait un acte amateur un jour là, toi tu vois là que c'était quand. Et tu entends ça derrière les conversations. Ça veut dire que tu n'as même pas la preuve comme quoi ton père a tapé ta mère. Mais aujourd'hui, on voit les nouveaux parents là aujourd'hui, des voyous. La femme, que ça soit, par contre, dans ce sujet-là que je suis en train d'évoquer, que ça soit homme comme femme, ils sont tous pareils. Je dis bien, homme comme femme, ils sont tous pareils. Je les mets là-dedans. Mais comme elle a envoyé le truc, elle va gagner d'abord le job. Vous êtes incapables dans vos foyers d'aujourd'hui. Vous avez des problèmes. Au lieu de vous concentrer, de rester tranquille. Est-ce que vous savez que vos enfants ont peur? Est-ce que vous savez que quand vous bagarrez dans les maisons, vos enfants ont des troubles psychologiques qui ne disent pas? Il y a certains enfants, quand ils entendent un bruit quelque part, ils s'effraient. Il a l'impression que c'est son père qui a été tapé sa main. Il y a des enfants qui grandissent avec ça. Mais vous n'êtes même pas au courant. Vous allez voir qu'un enfant, pourquoi un enfant n'aime pas le noir? Parce qu'il a remarqué que dans le noir, c'est quand la maison est dans le noir que son père profite pour taper sur sa mère comme le pot d'invol. Voilà pourquoi certains enfants n'aiment pas le noir. Tu vois, c'était enfant quand c'est un gros bruit, c'est frère. Parce qu'il se rappelle que la dernière fois qu'il a entendu un gros bruit, c'est ton père qui concassait la mer avec les tubes de ceci. Voilà la France d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut dire aux gens quand on part au Cameroun. Oui, la vie de couple, c'est devenu le Far West en bain. C'est le Far West en bain. Le mari doit avoir le porte-monnaie dans le lit. L'engagé doit avoir le porte-monnaie dans le sac, dans le caleçon. Ça veut dire qu'on est ensemble seulement parce qu'il faut qu'on partage le loyer. On est ensemble parce que là où on est là. Non, ça que on est aujourd'hui, on a des vies de couple aujourd'hui où la femme veut que son mari est joué dehors, où elle nous parle aussi. Il faut leur dire que c'est sans bain. Vous avez honte de ça. Ce n'est pas vos vies. Est-ce que ce ne sont pas vos vies? La preuve. Voilà encore ça, non? Là, c'est quand le championnat a terminé. Tap! C'est un clic que je mets avec l'orgueil. Voilà. La plupart des couples sont comme ça. Voilà une femme qui vient demander l'argent, elle ouvre sa bouche, tap! Elle incite l'homme à taper. Et pourtant que nos mères d'avant, quand ça arrive comme ça, elle prend d'abord les enfants. Quand elle sait qu'il y aura bagarre à 10 heures, qu'est-ce que nos mères faisaient? Elle sait qu'il y a bagarre à 10 heures avec son mari. Elle prend les enfants à 8 heures, elle va déposer chez une amie, ou bien chez un cousin, un genre, je m'en vais faire les courses. J'arrive, elle revient à la maison. Ça dit que la bagarre dans la maison, boum 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 boum, ils sont que deux, la bagarre et ça. Tu entends que tu viens, tu trouves que la matin à la bourse, elle te dit que ouais, c'est la fenêtre qui m'a tapé là. Et pourtant, quand vous n'étiez pas là, les 2 heures où les enfants n'étaient pas là, c'était le Shabbat dans la maison. Mais quand elle avait la dignité, la fierté que mon fils ne doit jamais voir ça, c'est quand tu grandis que tu t'en rends compte. On voit les boucamels aujourd'hui, des poubelles comme celle-ci. Tu as des problèmes avec ton mari, au lieu de régler le problème avec ton mari, tu préfères pour tu filmes. Parce que la vidéo règle un problème. Depuis que tu as filmé ça, alors,
Ça a réglé quoi? Ça t'a permis d'aller travailler? Tout ce que tu sais faire, ça allait te pavaner. Ça allait te pavaner dans les soirées camerounaises. Ça allait te filmer avec Sergio Polo. Ça allait te filmer avec Petit Pays. Voilà son niveau. Voilà la plupart des filles parisiennes. Voilà à quoi elles tournent. On a eu l'exemple. Après, elle va se mettre, elle va commencer à se mêler de la vie des couples des gens. Elle va commencer à se mêler de la vie des couples des gens. Elle va insulter ceux-là qui ont réussi. Maintenant, tu pleures. C'est avec l'orgueil. Ça dit que je mets mon orgueil de côté. Tu as l'orgueil? Quand on mendie, on n'a pas d'orgueil. Quand on mendie, c'est le déshonneur total. C'était moi, toi. Je donne ces enfants là-bas. Job. Le problème avec toi, c'est que tu ne peux ni vendre le piment, ni vendre le poivron. C'est-à-dire, quand on te regarde, tu es bolé. C'est-à-dire que tu es bolé, le genre de bolé, qu'il n'y a plus rien sur toi. C'est toi qui fumes. C'est toi qui tacles le cou. C'est toi qui fumes. C'est toi qui es alcoolique. L'argent, là, sort d'où? L'argent des allocations des enfants. C'est-à-dire que le social donne l'argent aux enfants. Toi, tu prends ça, tu bimes ça. Et si tu es même sûr que le social ne te donne plus l'argent. C'est-à-dire que le social te donne les cartes pour aller prendre de la nourriture. Et même les cartes qu'on te donne pour aller prendre de la nourriture, tu vends encore les cartes là. C'est ça. On va venir parler ici. Je mets l'orgueil. C'est avec l'orgueil que je viens vous demander. C'est-à-dire que je mets mon orgueil de côté. Tu as l'orgueil? Tu as l'orgueil? Quand on parle des gens qui ont l'orgueil là-dedans, c'est la mer quand même. Parce que quand j'arrive en Belgique, j'oublie que j'ai une grosse société au Cameroun. Je viens en Belgique, je commence à faire Uber, je commence à faire le tri des colis, je commence à faire les intérims. C'est ça qu'on appelle que je mets l'orgueil de côté. C'est ça qu'on appelle l'orgueil, c'est là qu'on reconnaît l'homme. Une femme qui prend ses enfants, elle dit, par rapport à l'orgueil, je vais laisser que mon patron me parle mal. Je vais laisser que ma collègue me parle mal. Tout simplement parce que je mets mon orgueil de côté. Parce que l'argent qu'on me paye là, ça envoie mon fils à la fac. C'est ça qu'on appelle que j'enlève l'orgueil, je mets de côté. Idiote. Boudman. Un waka comme ça. Tu mets l'orgueil de côté quand tu demandes l'argent. Tu mets l'orgueil de côté quand tu demandes l'argent. Quand on parle d'orgueil, c'est le camel qui est agent de sécurité, malgré son bac plus 8. Le gars, il est là comme ça, là. Il a peut-être son master en économie, son master en tout. Il est là comme ça, là. Bac plus 5, il est l'agent de sécurité. Un nieman, un patron vient le parler, un patron qui n'a même pas le bac. Il vient commencer à le parler. Tu as le camel, est comme ça, là. Il se plie la tête. Il regarde tout le monde comme ça. C'est ce qu'on appelle je mets l'orgueil de côté. Lui là, il a le droit de dire que je mets l'orgueil de côté. Parce que j'ai une femme, parce que j'ai un enfant. Je supporte qu'un bouddhman vient me parler n'importe comment. C'est ce qu'on appelle mettre l'orgueil de côté. Tu as compris? Idiot. Une mangeante n'a pas d'orgueil. Une mangeante n'a pas d'orgueil. Il n'y a que tes copines escrocs comme les lolos qui peuvent te supporter. Il n'y a que tes copines escrocs comme les lolos qui peuvent te supporter. Tu as compris? Je suis allé t'expliquer ce qu'on appelle l'orgueil. Et là, vous parlez. Oh, je mets l'orgueil de côté. Tu sais combien de Camerounais, mettent l'orgueil de côté pour le bien de leur famille? Pour le bien de leurs enfants? Tu connais le nombre de Camerounais qui mettent l'orgueil de côté? Tu as une femme qui fait le ménage, bac plus 5. Elle reste tranquille. Passer à une illettrée en face, qui lui donne des ordres comme si, et la personne n'est jamais allée à l'école. Et rien, mais elle en baisse la tête. Parce qu'elle a le loyer à payer. Parce que ses enfants ne doivent pas dormir affamés. Toi, tu es là, c'est sûr que tes enfants ont mangé l'huile. Ont mangé le riz avec l'huile sur le sol. Parce que l'huile, vous n'avez même pas ça coûte cher. Oui. C'est que tes enfants ont tourné les pattes avec l'huile sur le sol. Le fond d'huile sur le sol. Et pas l'huile tournesol que tu as pris la bouteille. L'huile tournesol qui est dans la friteuse. Que tu as fait les frites depuis 2 mois. C'est ce que tu as appris que les enfants, tu les mets le riz sec là. Tu mets le riz, tu prends aussi l'huile là, tu verses dessus. Venez parler, vous ouvrez vos bouches. Tes enfants ont passé le Noël comment? Tes enfants ont passé le Noël comment? Dis-moi. Venez parler. Vous mettez la vie des gens. Là, tu es forte. Vous mettez la vie des couples, les gens. Là, tu es fort. Tu vas sortir. Explique aux gens comment on vit en couple. Voilà, t'as pas de couple ici. Maman. T'as pas de couple, c'est ça. Regardez. C'est quel intérêt, c'est. Attendez, je vais vous remettre au début. Vous savez, vous allez un peu voir la nuance entre les deux vidéos.
entre les deux. Vous allez voir, c'est la même personne. Vous allez voir la différence. Vous allez m'entendre qu'on vit dans une saison où le buzz. Regardez alors. Entre la deux. C'est la même personne. C'est la même personne. Attends, on va mixer les deux. Attendez, ça ne donne pas encore. Attendez. On va un peu mixer les deux pour voir un peu, pour essayer de. On va un peu mixer les deux. Je reviens en arrière. Voilà. Je suis passé à la préfecture. Je viens de ficher. Je vais faire un bruit pour mes enfants et moi. La réponse que j'ai reçue. Là. Soyez attentif. Soyez attentif. Il y a quelque chose dans cette vidéo que beaucoup de gens n'ont pas vu. Soyez attentif dans les sons. Il y a quelque chose dans le son que vous n'avez pas entendu. Beaucoup de je suis sûr que 80 personnes n'ont pas entendu. 80% des personnes qui ont vu la vidéo n'ont pas entendu. Écoutez ce qu'il y a dans la vidéo comme son. Vous entendez la petite voix là? Il y a un enfant. Son enfant est en train de répéter quelque chose. Attendez, écoutez. Écoutez ce que son enfant est en train de répéter. Son enfant est en train de répéter tap, tap, tap. Et son enfant répète quoi? L'enfant répète ce que la mère est en train de dire. Écoutez encore, c'est très important cette partie-là. C'est à ce moment, c'est écouté. Voilà. On vous donne l'argent des enfants pour éduquer. Ça là, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'élevage? Je veux que beaucoup de Camerounais sachent la différence qu'il y a entre élever un enfant et éduquer un enfant. Élever un enfant et éduquer un enfant, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'angassi là, la sorcière ici, elle fait l'élevage. C'est-à-dire que même les poulets que j'élève dans mon village ont plus d'éducation que les enfants. Même les poulets que j'élève dans mon village ont plus d'éducation. Regardez un enfant de même pas 2 ans. Je répète ce que la mère dit. Tap, 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 tap. Quand une femme comme ça là, parle à un homme, quand une femme comme ça parle à un homme, on doit te refuser les papiers là, te donner une sanction. Voilà ce que vous disiez tout à l'heure. On donne l'argent des allocations. Elle seule, plus de 5 enfants. C'est l'élevage. On va aller regarder que les gardes ont vu les postes de police alors. Quand tu arrives, oh non, non, on la connaît, on la connaît. Ah non, il faut laisser ça. Non, son dossier. Quand tu arrives à ce niveau-ci, où la préfecture te refuse les papiers, c'est parce que les assistants sociaux ont décidé que pour le bonheur de ces enfants, refusons les kaoulous à la mer, on place les enfants et après on se débarrasse d'eux. C'est ça. Parce que dans cette vidéo, ce qui est important, ce sont les enfants. Ce qui est important dans cette vidéo, ce sont les enfants. Parce que la fille a entrepris ce qu'on appelle l'élevage des enfants. L'élevage des enfants n'est pas l'éducation. Sachez faire la différence entre élever un enfant et éduquer un enfant. Mais elle est dans l'élevage. Et oui. Où la petite fille, l'enfant est en train de dire tap, 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 tap. Imaginez-vous un enfant de 2 ans et demi répète une scène de violence. Quel est le pourcentage de prostitution de la fille, là, de l'enfant? 100%. 100%. Parce que l'enfant n'est que le reflet de l'éducation reçue par les parents.
L'enfant n'est que le reflet de l'éducation reçue par les parents. Quand vous voyez un petit enfant innocent répéter que tap, 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 comment voulez-vous qu'on donne les papiers à cette fille? Tu as la chance que je ne connais pas où la préfecture là se trouve. Parce que si la, je sais là où la préfecture là se trouve, je vais écrire pour qu'on enlève les papiers là avec des preuves atténuantes. C'est moi qui te dis ça. Oui. Parce que j'ai au moins le strict minimum. J'ai au moins le strict minimum. Mais maintenant, tu es en train de manger. C'est pas toi qui as insulté les autres. C'est pas toi qui as insulté les femmes de ménage hier. Oui. Aujourd'hui, ces femmes de ménage. Voilà. Comme je vous dis toujours et comme je vous l'ai toujours dit. Si quelqu'un te dit que tu n'as pas conçu au Cameroun, il faut leur répondre à ces femmes de ménage. Répondez-leur que mon argent, c'est pour l'éducation de mes enfants. C'est pour l'éducation de mes enfants. Oh, tu n'as pas conçu mon enfant à l'université. Oh, tu n'as pas conçu mon enfant est dans une école de médecine. L'objectif de tout un parent, ce n'est pas de construire, c'est de voir le bonheur de ses enfants. Tu vois le bonheur de ses enfants. C'est dans les yeux. C'est-à-dire quand tu as un parent, dis que ça, c'est mon fils. Moi, quand mon père arrive à Yaoundé, il est fier de dire que je suis le père Kamer. Mais quand on voit des vieilles rombières, mon père commissaire priseur, mon père comme un diable, mon père commissaire priseur, tu ne parles toujours de ton père. Quand est-ce que ton père parlera de toi? Aujourd'hui, le père Kamer, c'est que non, je suis le père Kamer quand on ouvre les portes. On ouvre les portes. Mon père mange grâce à mon nom. Je ne mange pas grâce au nom de mon père. C'est ce qu'on appelle la relève. C'est ce qu'on appelle la relève. Hein? Je suis la fille du commissaire priseur. Je suis la fille du commissaire priseur. Je suis la fille du commissaire priseur. C'est toi qui écartes dans tous les réseaux sociaux. Vous parlez de fidélité. Quand on regarde les réseaux sociaux, je ne sais même pas qui peut te douter. Je ne sais même pas qui peut te douter. Escroquerie de gélule, c'est encore toi. Et tu viens nous pondre tu viens nous pondre des factures qui ne tiennent pas la route. Attendez, je pense que j'ai encore fait la capture de ces factures. Attendez. Non, attends, je m'en vais, je fais la capture d'écran. Tu viens nous pondre des fautes qui ne tiennent pas la route. Toi, il va revenir sur toi. Ne pense même pas que toi, tu es. Attends, ne pense même pas que toi, tu te gardes au chaud. Non, toi, il te garde au chaud. On essaie un peu d'équilibrer les deux. Hein? Quand est-ce que vos parents vont manger sur vous? Tu es toujours là. Hein? À ton âge, 50 ans, 60 ans, tu es en train de dire que je suis la fille du commissaire priseur. Moi, 50 ans, mon père mangeait derrière moi. Quand le préfet arrive, le préfet ne dit pas que je pars à Mandoumane. Le préfet dit que je m'en vais voir le père d'Amé Kamé. Oui, quand le préfet des Zeka vient à Mandouba, il ne dit pas que je m'en vais voir le chef de Mandouba. Le préfet des Zeka dit, je m'en vais voir le père d'Amer Kamer. Le sous-préfet de Matom dit que je m'en vais voir le père d'Amer Kamer. Ils ne disent pas que je m'en vais à Mandouba. C'est ce qu'on appelle que le fils a brise. Tu as compris? C'est ce qu'on appelle que l'enfant est fort. Mon père mange derrière mon nom. Mes frères, quand ils partent, quand mes frères sont dehors, quand, dit que, quand mon frère dit que je suis le grand frère d'Amer Kamer, tout le monde voit que tu vois la main quand même. De fois, on met les côtés dehors. Mon frère met les côtés dehors. Il perd les côtés parce qu'il dit que non. Je suis le petit frère de la mère. Quand je dis que toi, tu me connais jamais quand même. Toi, tu me connais jamais quand même. C'est-à-dire que devant, il met mon petit. C'est ce qu'on appelle que le petit a pris. L'enfant a pris. Parce que maintenant, le père mange sur le nom de l'enfant. C'est ce qu'on appelle on a réussi. Et je suis la fille du commissaire priseur. Mon père était, ma mère était, mon père était. Non, on n'est plus dans mon père était, ma mère était. On est dans, je suis fier de marcher avec lui. C'est ce qu'on appelle le gars brise. C'est ce qu'on appelle le carré. On appelle ça la détermination. Venez polluer les réseaux sociaux en volant les gélules des enfants. En volant les gélules des enfants. Vous êtes en train de crier. Regardez, voilà l'autre en train de demander l'argent. La même bande. Dis-moi avec qui tu marches et te dis qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. On va voir écurie, escroc, jongleuse. Là, je remets les produits de l'enfant t'a dépassé. L'enfant va, il va s'en sortir. Il dit, la fille qui vend les gélules a continué. Attends, je vais même encore afficher, épingler son numéro. Continue à passer les commandes là-bas. Parce qu'on a montré l'efficacité. Tu es là, on te donne les gélules, tu maigris, tu viens dire que ce sont les Guinness qui t'ont fait maigrir. La mauvaise foi.
la mauvaise foi, incapable de conseiller à ta copine que pardon, tu as les enfants, ne viens pas faire la mendicité ici. Ne viens pas faire la mendicité. Il y a le Secours catholique, il y a la Croix-Rouge, il y a Action contre la faim, il y a des groupes de cabinet d'avocats qui a aidé les gens comme ça. On ne va rien te donner. Quand je vais finir, je vais afficher le nom de tous ceux qui... Malgré que tu coches, quand je vais finir, je vais t'envoyer, je vais mettre sur ma page le nom de toutes les associations qui peuvent t'aider. Le nom de tous les conseils d'habitude, tous les cabinets d'avocats qui ont le truc gratuit à côté. On ne va rien te donner. Rien. Mangeante qui va dire que j'ai l'orgueil. Quand il demandait l'argent, ça avait l'orgueil. C'est-à-dire que je mets mon orgueil de côté pour venir vous demander l'argent. Tu as quel orgueil? Tu as quelle dignité? Tu as quel orgueil? Tu as quelle dignité? Vous avez sali la diaspora camerounaise. Une bande de diaspora putes. De diaspora ténébreuses. C'est maintenant qu'il faut venir de côté. On insulte plus les gens. Oh, c'est le bordel. Oh, c'est la fin de ménage. À l'agent de sécurité comme toi. Regarde-moi celui-là. Un sans-papier. Hein? Maintenant, t'es passé, tu allais faire les champs au village. Hein? Oui, Benma t'es passé, j'accepte. Avec la fierté du devoir accompli. Benma t'es passé. Dans mon village, je suis un roi. En Ben, je ne suis rien. Ça, c'est clair. En Ben, je ne suis rien. Mais en Ben, je ne m'en dis pas. Quand j'arrive en Ben, je retrousse mes mains. Je go walk. J'ai des rendez-vous avec mes partenaires ici en Ben. En attendant mes partenaires, je m'en vais faire les colis la nuit. Le jour où je fais mon Uber. De temps en temps, quand les intérims m'appellent, je comble le polo. C'est ce qu'on appelle un gars prêt. C'est ce qu'on appelle mettre son orgueil de côté pour charbonner, pour montrer l'exemple aux Camerounais que le dehors là c'est le walk. Si je ne walk pas, tu es mort en guerre. Parce que le Dieu sur terre, c'est celui-ci. C'est ça qui nous amène en bain. Si tu as oublié que c'est ça qui t'amène en bain, oublie. Une bande de waka. L'autre là-bas, les gelules. Remettre les gelules n'ont pas l'ont dépassé. FCRSA. Versez dans le RSA comme ça. Vous êtes plein dans le RSA. Vous êtes versé chaud. Plein. Venez nous parler. Venez nous parler. Je vais vous traiter. Je dis, vous allez travailler. Tu es blogueuse. Tu vas montrer l'exemple. Tu vas montrer. Si tu ne montres pas l'exemple. Oh, vous me connaissez. Est-ce que ben, c'est que, maman, moi j'aime mes carreaux. Ça ne peut pas finir. All mes mounas, tous mes mounas sont français. Tous mes mounas sont français. Et vous, tu vois, vous allez entendre avoir dit quoi, mec, on ne me refuse pas ça. Quand vous sortez, on a rapatrié à mec, on peut me rapatrier. Je suis plus heureux quand je suis au Cameroun. Je suis plus heureux quand je suis au Cameroun. Ça fait presque 2-3 semaines que je suis en Bain. J'ai seulement touché 150 euros. Voilà le reste des 150 euros qui restent là. Parce que je suis allé faire un petit blanc quelque part, le gars m'a payé 60 euros. Voilà les 50, j'ai mis l'essence de 50 euros. Voilà, c'est les 10 euros qui restent là. Voilà ça qui est dans ma main. Est-ce qu'on est là pour. Parce que nous, quand on parle, on est sûr de nous. On est prêt. Quand la Cameroun dit que là, les Camerounais, il y a les Camerounais dans la diaspora, ce sont des soldats. C'est les nous. C'est les femmes de ménage. C'est les ingénieurs qui sont un peu partout. C'est les docteurs Camerounais qui sont un peu partout qui ne parlent pas. Voilà les vrais boys. Ce n'est pas la bande de prostituées, hein? La bande de prostituées des ténèbres là. Hein? Allez vous prostituer dans les maisons des gens. Il faut encore venir. Tu vois ce que je demande à les gens qui sont venus se prostituer chez moi. Tu vois ce que je demande à les gens. Venez parler entre l'autre qui vient. Et voilà la même bande. On est arrivé, tu étais au Cameroun, Lolo était incapable de payer même l'eau glacée. Partout où on sortait, même l'eau glacée. Elle marchait sous tutelle. Elle marchait sous tutelle. Elle est là comme ça derrière les gens. On est à gauche. Elle se tourne à gauche. Elle fait à droite. Elle se tourne à droite. Elle ne fait que marcher. Ça vient parler fort dans les réseaux sociaux. Ça met le ciment. Ça met le mocho au visage. Et ça vient parler fort dans les réseaux sociaux. Des toucheuses de RSA. Pour ceux qui sont au Cameroun, le RSA, c'est un truc en même temps. Quand tu as refusé de travailler, on te donne ça. C'est 500 euros. On te donne ça comme ça là. Quand tu as refusé de travailler. Et les gens qui touchent le RSA, les Camerounais là, arrêtez de vous faire berner par ces benguistes. Ce sont les femmes, quand elles viennent au Cameroun, elles prennent le lait de toilette, elles prennent les calissons, elles prennent les brésiliennes, elles prennent les mèches, elles prennent tout quand elles viennent au Cameroun. Et c'est le show, le nouveau show Mbourman qui paye le billet d'avion. Donc vous êtes là, vous pensez que vous avez vos soins en bain. C'est le travail qui est bien fait.
Oui, il faut vous dire la vérité. Donc arrêtez. Arrêtez toujours d'insulter vos copines qui n'ont pas pu construire au Cameroun. Arrêtez ça. Si ta soeur ne peut pas t'envoyer l'argent, elle est dans son petit boulot aussi. Elle n'a pas le cœur pour aller vendre les fesses. Elle n'a pas le cœur pour aller vendre les fesses. Donc quand tu as ta soeur qui ne veut pas t'envoyer l'argent, arrête de mettre la pression. Je m'adresse à nos frères qui sont au Cameroun, à nos pères, à nos mères qui sont au Cameroun. Quand vos enfants ici ne peuvent pas vous envoyer l'argent, ne leur mettez pas la pression. Parce que vous ne connaissez pas le loyer qui paye ici. Vous ne connaissez pas les galères qu'ils supportent ici là. Donc vous arrêtez ça. Ce n'est pas possible. Une fille vient d'arriver en bain. Une année d'études. Qu'elle est venue comme étudiante. Le père demande l'ordinateur portable. Le petit frère demande le portable. La mère demande les sacs ici. Tout le monde, mon frère. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette mendicité? Et le pire, ce sont nos soeurs qui ont épousé les noirs. Tu arrives au pays. Ta mère ou ton père te dit que, hein, avec tous les blancs qu'il y a en Europe, c'est le noir que tu as pris. Imbécile. Des parents proxénètes, voyous, bordel. Si ta fille a repoussé la bordellerie, tu dois dire merci. Si ta fille a repoussé la bordellerie, tu dois dire merci. Voilà les ténébreux qui vendent le piment matin, nuit, matin, midi, soir. Le corps, il a fracassé. Le corps, il est parti. Même le poivron, elle n'arrive pas à vendre. Elle vend le poivron de 20 euros. Il faut voir les audios. Elle dit que le poivron de 20 euros, 35 euros. On parle même de quoi? Des parents proxénètes. Comme c'est. Pardon, j'ai dit que envoyer le cœur pour ces benguistes qui ont tout. C'est-à-dire que envoyer le cœur pour les benguistes qui supportent ces parents-là. Envoyer le cœur pour les benguistes qui ont décidé que nous ne va pas vendre le piment-là parce qu'on est digne. Vous venez saboter les gens dans les réseaux sociaux. On voit des parents, tu arrives à peine au pays. On voit comment ta tante ou bien ton père ou ta mère te dit que il y a Lisa qui est venue ici. Elle a fini ça, elle en est de finir l'immeuble. Ouais, ma, toi tu es même allé en bain avant elle. C'est comment non? Il y a des parents qui osent dire ça à leurs enfants. Qui a ton ami qui est venu construire. Toi tu es encore là. Demande à ton parent le nom de tes enfants. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais le nombre western, le nombre que tu l'envoies en un an, ça il connaît. Demande à ton père ou à ta mère le nom de un de tes enfants. Il ne connaît pas. Mais quand le mois passe, quand tu as fait 2 mois sans envoyer l'argent, tu les entends au téléphone. Ouais, le mimatisme veut me tuer. Ouais, le mimatisme veut me tuer. Et c'est comment, non? Tu sais comme tu vois. Et ils ont on dirait qu'il faut que nos parents fassent de voice. Nos parents qu'on a laissé au Cameroun doivent faire le voice. Il faut voir les rythmes, comment les gars te mixent, te font la mixture de la voix au téléphone. C'est-à-dire tes rythmes, tu restes comme ça, tu as l'impression qu'il meurt demain matin. Tu as l'impression que le gars meurt demain matin. Et les femmes, pareil, il faut voir les mains. Attends, après, on va nous dire, il faut aller construire l'immeuble au Cameroun. Il faut leur répondre que vous ne pouvez pas construire parce que vos enfants ont besoin de votre argent. Il faut leur dire ça. Parce que je suis la voix des gens qui n'ont pas le courage de dire ça à leurs parents. Partagez ce live à tous vos parents qui vous emmerdent tous les jours. Ou quand les vacances de Noël sont arrivées comme ça arrivait là. Tu entends pas qu'elle dit que ta copine, elle a même envoyé la voiture à son père. Ton père n'a pas le permis, mais il veut la voiture. Tu es à toi. Mes frères, courage à vous. Je dis courage à vous. Parce que la différence avec moi, je ne subis pas ça.
Mais je vous dis beaucoup de courage à tous ces gars de la diaspora qui subissent ça. Et surtout, beaucoup de courage aux étudiantes camerounaises. Et aux étudiants camerounais qui subissent ça dès la première année. Il faut déjà cette frère de Mbengis. Arrêtez ça. Arrêtez le travail que vous faites là. Là, je m'adresse particulièrement aux frères de Mbengis, aux frères des étudiants Mbengis en particulier. Ta soeur est venue apprendre en France. Ton frère est venu étudier en France. Ne lui mets pas la pression. Parce qu'après, Mbeng, c'est l'enfer. Il y a l'Afrique, Mbeng et l'enfer. Après Mbeng, c'est l'enfer. Donc quand tu as ton frère qui est en quête de connaissances pour rentrer investir au Cameroun, ne lui mets pas la pression. Ne lui mets pas la pression. Laisse-le. À tous les pères, à tous les mères, arrêtez de dire la phrase qui peut tuer tous les Mbengis. Avec tous les blancs qui sont en Europe, ma fille, c'est le noir que tu as pris. La phrase l'a fait mal, vous ne pouvez pas comprendre. La phrase l'a fait mal, mais vous ne pouvez pas comprendre. Après tous les blancs qui sont en Europe, ma fille, tu me ramènes un noir. Cette phrase peut te tuer. Ça dit que c'est comme si ton père te regarde comme ça, là. Il te dit que tu as raté ta vie. Les parents, il faut arrêter ça. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Vous ne savez pas. Rien que mon histoire, d'abord, c'est un temple. Parce que vous, les parents, vous ne savez pas ce qu'on fait ici. On épouse nos mères. On épouse nos grands-mères. On épouse les conteneurs. Juste pour s'en sortir. Juste pour qu'on s'en sorte. Certains épousent même les hommes. Certains se font fracasser le derrière juste pour qu'ils s'en sortent. Respecter la souffrance des gens. Vous avez compris? On passe de l'autre côté. Quand vous allez toujours penser que les Mbengistes vous dépassent, je m'adresse à un message que j'envoie à tous les Camerounais. Arrêtez le complexe des Mbengistes. Quand vous voyez des blogueuses qui vivent avec le RSA, venir se parano au Cameroun, Amoukoubéling m'a payé le terrain, et toi m'a payé le billet d'avion pour aller au Qatar. Oh, je serai au Qatar, oh, avec le RSA. Maman, le Qatar est fini, t'as pas le Qatar, c'est quand? C'est pour le petit porta. C'est pour le petit porta. Il faut dire, Amérique est violent en 2023, plus violent qu'en 2022. Ça veut dire que le tout aussi, quand on n'a pas arrivé dans les réseaux, prie que je ne tombe pas sur ça. Prie que je ne tombe pas sur ça. Hein, Lolo? Ton petit porte là, c'était pour le Qatar, c'était pour Touba, c'était pour où? Je suis marié. Tu viens avec un colocataire, tu t'attribues que tu es marié. Ça veut dire que les gens vont se marier, toi, tu sois que tu es marié. Avec ton porno qui traîne dans tous les réseaux sociaux. Hein? Où on te demande de dénigrer ton colocataire, tu dénigres ton colocataire. Une femme qui n'est jamais passée, même pour se renseigner devant la mairie. Marie-toi, je te paie la robe de mariée. Je te lance encore un autre défi. Marie-toi et je prends 50% de ton mariage. On en dirait là. Marie-toi et prends 50% de ton mariage en charge. Si tu peux te marier. Tu prends le nom, tu t'accapares le nom de quelqu'un, le pauvre. Tu t'accapares le nom de quelqu'un. Tu te pavanes avec ça, tu détruis ça. On va faire quoi avec toi? Et tu te dis que tu es de la diaspora. Chaque fois que tu veux faire le live, tu prends le mortier, le ciment, tu remplis ton visage, tu fais le crépissage, tu fais tout. Tu prends des vieilles seins qui tombent jusqu'au ventre là, tu le montes ça comme ça, tu fermes jusqu'à même pour respirer, même tu pars te mettre dans un petit coin de la maison là qu'on t'a donné. Maman, quand tu fais le live, il faut filmer partout, on voit aussi. Quand tu fais le live, il faut filmer partout, on voit aussi. Tu te mets dans un petit coin comme ça, on appelle ça ambassade au corner. En cas de la Homa, Piraman, Homa, Nakano Kobo. Ata kobob ki bole. A wani ki bole bibi men. A kani soble hop ala hop ni hop hop ni hop. A yi la pira homa. A wani tembaye a ton louk. Men mon kabino vilaj. Mon kabino vilaj eh. Mama, se 20 metri kare. Mon kabino du vilaj yo kou wala se 20 metri kare. Toa ton salon men sa la te men pa 15 metri kare. Tiye te kompara e mwa.
Elle prend ses vieilles seins là, ses seins qu'elle a pressées jusqu'à sa montre. Vous êtes étonné qu'elle n'a pas de clients. Vous êtes terrible, hein? Attendez. Hein, ce mec a un petit endroit comme ça là. Hein? Je suis la fille du commissaire priseur. Et c'est la fille, comme si le commissaire priseur, mon frère. Les gens ont les filles des gens. Allez, doum, yom, yala, il est. Bon, on voit un bon de douma. Allez, Ndurunganda. Il y a les filles que leurs pères sont des procureurs. Elles ne parlent pas. Il y a même les filles que. Il y a même certaines filles, son père est président. Elles ne parlent pas. Certaines filles, leurs parents sont ministres au Cameroun, ils ne parlent pas. Les parents sont gouverneurs, ils ne parlent pas. Ses parents sont des généraux, ils ne parlent pas. Et quelqu'un vient, mon commissaire prise, maman, la connerie c'est quelque chose. La connerie c'est quelque chose que moi je ne comprends pas. C'est terrible. Hein? Moi aujourd'hui, mon père ne dit pas que je suis le cousin de Belle. Mon père dit, je suis le père d'Amer Kamé, tape la main sur la poitrine. Parce que le nom d'Amer Kamé, on ouvre les portes. Beaucoup ont essayé de m'enfermer, ils ont compris le coach. Que le Cameroun là, c'est pour les Camerounais. Les vrais. Pas la camelote là. Pas la petite camelote là. Les gens qui viennent gesticuler dans les réseaux sociaux, quand on parle fuir leur vieille bite. Vous avez compris? Ils sont toujours là, vous venez blaguer les Camerounais parce que tu as mis le make-up, tu as toi seul, tu prends le ciment, tu mets au visage, tu rajoutes le mortier, tu rajoutes les phares, quand ça finit, tu rajoutes les filtres, et filtrata et le mortier, après tu mets l'ampoule ronde là. C'est qui est là? Tu demandes à parler. Après tu vas venir insulter les gens. Après, on ne sait pas que tu perds. Mais depuis que la France est devenue pour les produits, tu as vu comment tu es devenu? Tu as vu comment tu es devenu? Depuis que tu ne vends plus les produits en insistant, tu as vu comment tu es venu? Un produit quand tu te donnes à 15 euros au Cameroun, tu viens vendre ça à 100 euros en France et jusqu'à tu n'arrives pas à rembourser l'argent. Jusque-là, tu n'arrives pas à rembourser l'argent. On va se livrer, tu vas venir nous parler. Nous, les Camerounais. Nous, les commandos du Cameroun. On ne parle pas. Nous, on n'est pas dans mon père. On est dans, je suis. Même dans le narguer, il y a l'honneur. Oui, il y a l'honneur. Le père de toi est fier de dire que je suis le père de toi. Même mon père est fier de dire que non. Quand Cabral est venu dans mon village, Cabral n'a pas dit ça c'est le chef de Mandumba. Les notables de mon village ont présenté mon. Ça dit qu'on a dit à Cabral c'est le père d'Amer Kamé. Cabral, parce que quand tu dis c'est le père d'Amer Kamé, ça a plus de poids quand tu dis que c'est le chef de Mandumba. Tu as vu non? Viens parler, j'ai la fille du commissaire. Maman, si ton père était gouverneur, tu allais faire comment? On allait plus respirer. Maman, si ton père était ministre, ça allait être comment? Tu as été levé. J'ai les numéros, hein. J'ai les numéros. Tu as quel numéro? Tu as quel numéro? Parce que tu es allé, tu as eu une tentative de séduction avec, avec Paul. Tu as eu une tentative de séduction avec Paul. Tu viens bouger. Gonfler les réseaux sociaux avec oh Paul, il t'a dit de ne plus l'appeler. Il t'a dit de ne prononcer plus son nom quelque part. Il t'a dit ça. Et là, vous venez parler. C'est, je te mets seulement, prends en considération que ta vie est dans tes mains. Sois vrai avec toi-même. On vous voit, on va votre réseau. Votre réseau sert à quoi? Votre réseau vous sert à quoi? Jusqu'à la marchande, ils sont venus se prostituer ici chez moi. Ils sont venus se prostituer ici chez moi. Que je vous. On va aller loin. Avec vous, on va aller loin. Parce que ne blague pas. Il y a le mauvais cœur. Vous savez que j'ai le mauvais cœur, non? Ah, il ne blague pas. Tu te lèves tous les jours, tu aboies. Tu aboies. Montre ta maison. Montre ta cuisine. On voit. Montre comme nous. Montre ta cuisine. On voit. Tu parles pour parler. On a dit que quand tu regardes les Camerounais. Les vrais Camerounais, les femmes de ménage,
les docteurs, les X, les Y. Des gens qui ne sont même pas dans les réseaux sociaux. C'est ceux-là qui construisent le Cameroun de tous les jours. C'est ceux-là qui construisent le Cameroun. On voit une bande de bordel. Ils ont réquisitionné les réseaux sociaux pour vendre leur connerie à n'importe qui. Parce qu'on vous a dit que les réseaux camerounais, ce n'est que le clash. Non, le réseau camerounais, ce n'est pas les clashs. Ce sont des gars qui ont une idéologie, une autre façon de voir le Cameroun. On voit l'autre gène mardiante. Attends, on va le mettre à partir là. Et c'est pas honneur que. Attends, la partie là me fait trop laps. Attendez, je vais te traiter, maman. Non, on revient sur toi. Je suis obligé de prendre un avocat parce que, comme je vous ai dit tantôt, écoutez la connerie. Hein. Maladie. Ces enfants n'ont pas. Elles n'ont pas d'acte de naissance. Elles ont des certificats de naissance. Un papier qui certifie que oui, elles sont nées sur le territoire le monde. Elles n'ont pas d'acte de naissance. Donc, pour tous ceux et celles qui... Je vais mettre une pause. Quand vous voyez une connasse comme ça, là je vais me permettre de l'appeler vraiment connasse. Dire que les enfants n'ont pas d'acte de naissance. Madame. Et ça, c'est un message que je passe à toute la communauté camerounaise. Il y a ce qu'on appelle une transcription. Ça veut dire que si ton enfant est né dans un territoire, avec le certificat de naissance, là, tu pars à l'ambassade du Cameroun, tu fais ce qu'on appelle une transcription. Tous mes enfants ont une transcription. Tous mes enfants ont une transcription. Ah oui. Parce que malgré le fait qu'ils ont l'acte de naissance français, je prends le temps d'aller à l'ambassade du Cameroun faire la transcription. Comme ça, mes enfants sont enregistrés là-bas. Regardez-moi quelqu'un. Mes enfants n'ont seulement le certificat pour venir gronder dans les réseaux sociaux, étaler ta misère, ta pauvreté. Là, tu caches. Pour venir insulter les autres, là, tu es très forte. Tu oses dire en public, en mondiovision, que mes enfants n'ont pas d'acte de naissance. Ils ont le certificat. Madame, tu prends ce certificat, tu arrives à l'ambassade du Cameroun et tu fais une transcription. Tu as compris, idiote. Pour aller te filmer avec. Mais par contre, pour aller te filmer avec Sergio Polo, tu n'as pas besoin de transcription. Pour aller te pavaner dans les chaises où on paie le ruinard à 1200 euros, tu n'as pas besoin de transcription. N'importe quoi. C'est pour ça que vous salissez le Cameroun n'importe comment. À ton âge, après tout ce que tu as fait en France, tu ne sais pas quel compte. Quand une Camerounaise accouche quelque part, la première chose, c'est d'aller faire une transcription dans une ambassade. La borderie t'a bouché le cerveau. Mais bon, ouais, ce n'est que le début. Tant que tu as encore de poser une vidéo dans les réseaux sociaux, il va te traiter. On continue. Comme ça que vous salissez le Cameroun ici dehors. Moi, s'il vous plaît, je n'aime pas ça. Je ne suis pas si faible que ça quand même. Ah, et tu n'es pas si faible que ça. On a envie de tes exploits. Je laisse... Regarde le cinéma. Je laisse mon orgueil de côté. Je laisse mon orgueil. Quel orgueil? Tu as l'orgueil? Je me rabaisse. Tu te rabaisse? Attendez encore. Didier. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Hein. Avec ces wakala. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu demandais l'argent des gens, tu dis que je laisse mon orgueil de côté, je me rabaisse. Maman, en venant demander, tu es même plus bas que terre. C'est-à-dire que dis que tu te rabaisses, même c'est un honneur pour toi. Tu ne te rabaisses pas, il y a qui tire. Il y a qui tire le goy. C'est-à-dire que tu es comme les caca du porc. Aucun animal ne mange les caca du porc. Le porc, c'est le seul animal qu'on ne mange pas, c'est caca. Tu es comme le caca du porc. Tu viens, tu dis que je mets mon orgueil de côté, je me rabaisse. Hé, maman, pardon, hein. Il faut respecter le mot rabaisser. Parce que le mot rabaisser a aussi une dignité. Le mot rabaisser a une dignité. Donc, tu arrêtes de connaître là que je mets mon truc de côté, je me rabaisse. Tu te... Oh, yon, 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 hein. Maman, tu es comme le caca du porc. Aucune dignité. Même le rabaissement a plus d'honneur que toi. Tu as compris? On continue. Je vais te montrer. On va encore vous demander de venir demander l'argent dans les réseaux sociaux des blogueuses de merde. Je vous dis, ceux ou celles qui
prends la volonté. Elle prend le papier, je dis, regardez-moi, elle est 5 millions. Démerdé. Adieu, quoi. Je vous remercie d'avance. C'est bon. Et en plus, ceux qui sont... Regardez les yeux. Ici, dans mon état avec moi, parce que il me faut un avocat que... Il faut un avocat que... Que les deux je peux voir, je peux rencontrer, il ne faut pas un avocat à distance. Si vous connaissez un avocat, si vous avez eu des difficultés au niveau du séjour et tout, et vous connaissez un avocat qui est bon, proposez-moi. Parce que celui que j'ai contacté, c'est la somme qu'il me demande, elle est forte. Puisqu'il s'agit de 5 personnes, elle est forte. Ah, tu es forte, maintenant tu n'insultes plus. Mon boulot, je l'ai toujours, je vais le maintenir. C'est vrai que... Tu travailles. Tu travailles. C'est pas grand chose. Adieu. Mais avec votre soutien, je savais ce que vous allez me soutenir avec. Je vais. Et là, comment on se moque de la côté? Elle n'est pas humaine. C'est les phrases des blancs. Je sais et j'ai pris conscience. Ah, c'est maintenant que tu as pris conscience sur l'argent des gens, n'est-ce pas? Ta voix est permis. Un peu parce que qu'on entend. Ouais. La sorcellerie de ça. Regardez les ongles, comment les... Elle a bien Nyanga, hein. Elle a bien fait les ongles, elle a posé les 5 de haut. Demandez l'argent, on voit. Demandez l'argent. Elle gratte les ongles. Elle n'a même pas. Voilà votre personne qui demande l'argent. Ah, les 5 dehors. Voilà les 5 qui sont dehors là. L'esprit du wakaïsme ne quitte pas. Ah, les ongles qui sont bien faits. Demandez de montrer un peu comment les enfants sont. Que je tente de vouloir dire, c'était... Dis, on est là. Je reconnais mon erreur. Je sais que j'ai fauté. Ah, t'es Jésus. D'avoir permis que mes filles vivent un tel sort, un tel traitement de leur papa. Maintenant, je sais que j'ai échoué en tant qu'une mère. Pardon, tu perds même le temps aux gens, dis donc. Tu perds même le temps aux gens. Je sais que j'ai échoué en tant que mère. C'était les examens.
Je sais que j'ai échoué en tant que maire. Tu composais? Tu composais? Tu composais? Je sais que j'ai échoué en tant que maire. Il y a l'école pour ça. Les autres ont fait comment? Les autres ont fait comment? Tu n'as même pas honte. Même pas honte. Même pas honte. Je sais que j'ai échoué en tant que maire. Il y a le diplôme pour ça. Je sais que j'ai échoué en tant que maire. C'est-à-dire que ça avait tant d'orgueil que je me rabaisse. Et j'ai laissé mon. Elle précise bien. J'ai laissé mon PayPal. Surtout mon PayPal, c'est moi qui reçois le PayPal. Donc quand vous envoyez, c'est moi qui touche l'argent là directement. Et pour préciser comment tu as touché le PayPal là, tu es très forte. Voilà. Les gens qui font les enfants pour les allocations, les gens qui font les enfants pour l'élevage. Après, vous allez vous lever pour venir insulter ceux qui ont réussi. Vous allez rester dans les réseaux sociaux à insulter les autres. Tu me connais, tu sais qui je suis. Hein? J'ai les relations, hein? La belle relation. Venez maintenant parler. Vous parlez à vous. Je dis que là où vous êtes là, vous avez la chance. Vous avez la chance que j'arrête le live. Parce que j'ai mon petit walk qui commence là. J'ai mon ami qui est venu là. Vous avez la chance que je m'en vais trier les colis. Mais si j'ai fini de trier les colis là avec 4h30, 5h. Je suis avec toi demain. Demain même. Peut-être demain, je ne peux pas travailler. Peut-être, je ne sais pas si les gars vont m'appeler demain. C'est un petit job blanc qu'on fait là. Ça dit qu'on finit de parler comme ça, on nous paye à chaud. Demain, on va recommencer. On va encore demander à une blogueuse de venir dans les réseaux sociaux demander l'argent. Ça va le dépasser. Ça va le dépasser. Si on décide qu'on est des blogueuses, ça veut dire qu'on est des personnes. Nous sommes des haut-parleurs de la société. Une Camerounaise ne fait pas ce que tu viens de faire. Non. Je refuse ça. Je refuse ça. Venez parler. Oh, je suis avec vous. Toi, Lolo, tu n'as pas encore parlé. Tu n'as pas encore parlé. Tu as compris, non? Maman a fausse facture. Tu apportes quelque chose qu'on a écrit à la main. Il t'a dit quelque chose. Pour savoir que quelqu'un a retiré l'argent, c'est 3 numéros. 1, numéro de transfert. 2, numéro de l'endroit où ils ont reçu. Ils ont tué un numéro. Et de 3, numéro de la carte pièce d'identité qui a retiré ça. Donc, tu as besoin juste de 3 numéros. Continue à te pavaner. Oh, je suis madame Foja. Je suis madame. Tu as la mairie. Même le toqué fenêtre, même le toqué à moi. Lolo, le toqué à moi, tu n'as pas fait. Toqué fenêtre, tu n'es pas dedans. Toqué porte, alors, on ne sait pas. La dot, alors, oh, le malade, alors, toi seul. Tu vas poncer les gens qui sont en couple. Même nous, moi, si on s'est marié en Ben, au moins, c'était sur son table mairie de Ben. On va voir mon nom là-bas dedans. Toi, même qu'on a écrit, même à l'ambassade du Cameroun, va te marier. Même à l'ambassade du Cameroun, va te marier. Écurie de ténébreuse. Vous allez rester que dans le noir. Aujourd'hui, tu as fait le noir dans le noir, non? Oui, parce qu'on t'a interdit. Parce que tu as interdit. J'ai le fax ici. J'ai le fax. Oh, on me dit qu'elle ne peut plus faire, elle a fait le live dans le noir parce que le gars a interdit que chez lui. Quand il te dit que c'est ton colocataire, il te demande de payer le loyer, non. C'est ton colocataire. Tu viens me parler ici, appelez-moi madame Foja. Tu fuis ton nom. Tu fuis ton nom. Tu es madame. On dit madame qu'on a à la mairie. On dit madame qu'on a à la mairie. Même le toqué à moi, même ouverture à moi, tu n'as pas fait. Même le toqué buanderie, ouais, on va dire toqué. Toqué buanderie, tu n'as pas fait. Toqué porte de chambre, tu n'as pas fait. Toqué chambre, tu n'as pas fait. Toqué fenêtre, tu n'as pas fait. Toqué porte, tu n'as pas fait. Maman, c'est la doute que. Et tu vas te lever pour parler aux autres, ceux qui sont dans les maisons de couple. Elles ne disent pas qu'elles sont mariées. Dédicace à Perpétue. Les compressions qui sont en couple, on voit le gars, on voit les gestes du gars, on voit le gars, il sort, il est là. Les vrais gens qui sont en couple ne parlent pas. Elles ne se trouvent pas le nom du gars. Mais toi, voisin de chambre seulement, voisin de chambre, même appartement,
Une maison où tu ramènes tous tes niasseurs. Eh, adieu, dédicace à toi, moi, la panthère. Hein? Les gens qui t'ont vu nu, dédicace à Ducamain. Oui, la serviette est tombée, Ducamain. Otam, si c'est Otam, si c'est Atam. Otam, il a tamé seulement le mbumbu comme ça. Lucas a seulement tamé le mbumbu comme ça. Nama, vous venez parler, vous allez parler. Vous allez parler quoi? Bon, c'est libre à parler. Moi, je ne vous moi, ce que je dis, c'est la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous clasher. Je n'ai insulté ni le parent de quelqu'un. Je m'adresse uniquement à vous. Ouais, la machine, toi, tu connais, non? Je me suis marié en 24 fois, ça n'a pas dit. Même dans le Blanco, j'étais quand même marié. Même dans le Blanco, quand tu dis au Blanco, j'étais quand même marié. Toi, même mariage au Blanco, ça t'a loupé. Il y a certains gars qui traînent la poisse. L'autre jour, quand nous avons invité avec Guylaine, tu as même payé, même le cul dans tu as payé. Moi, au moins, tout le monde sait que quand même sort au Cameroun, tant que Guylaine est là, Guylaine, c'est mon porte-monnaie au Cameroun. Quand elle sort, il sait seulement que c'est elle qui paye. Il a pas même, je prends, quand il prend la voiture à mon vieux, on me dit, tu pars où? Il dit, non, basta, on va chez Guylaine, il monte. Moi, au moins, c'est certifié. Toi, on sort quelque part. Maman, même le cul d'âme, tu ne peux. Je me dis, oh, j'ai un bon mot, ça. Ah, Guylaine, tu vas seulement m'excuser, hein, mais je vais seulement parler de ça. Guylaine, tu vas seulement m'excuser de tout aussi. Quand Guylaine t'a invité au Femous la première fois, tu es venu comment? Quand Guylaine t'a invité au Femous la première fois, vous aimez ce manga, jusqu'à ce que tu oses même pas. À un moment donné, tu parles le nom de Guylaine. Quand Guylaine t'a invité au Femous la première fois, vous avez dépensé combien là-bas? Vous avez dépensé combien là-bas? Vous aimez seulement parler pour parler. Jusqu'à Glenn a envoyé des gens aller te chercher dans la voiture. Tu te lèves, ouvrir ta bouche. Lolo, tu as payé quoi au Cameroun, on a vu. Tu as payé quoi au Cameroun, on a vu. N'oublie pas, Yaoundé est petit. Yaoundé est petit. Les gens parlent. Maintenant, la petite a refusé les gélules. Les autres personnes vendent les gélules. N'oubliez pas, allez payer les gélules de la fille là. C'est un gros business. C'est un gros business qui rapporte énormément. Voilà pourquoi le roi a encerclé la fille avec la famille. Attendez, vous même le nom de la fille à la fin. Elle vend des gélules efficaces. Elle vend des gélules efficaces. Attendez, le nom de la fille même. Attends, voilà. Son nom encore là. Attendez, je vais vérifier. Ouais, son nom encore, elle s'appelle Clarisse. Pour tous ceux qui veulent entrer dans le business. Pour tous ceux ou celles qui veulent entrer dans le business de cette fille. Pour tous ceux qui veulent entrer en partenariat avec cette fille. Voilà son numéro WhatsApp que je laisse. Parce que le business de l'amortissement est un gros, gros, gros business. Donc, je laisse son numéro WhatsApp. 679-785-284. Je vais mettre Gélule à côté. Donc, pour toutes celles qui veulent entrer dans les business de Gélule d'amincissement, voilà le numéro de cette fille. Et je vais encore aller plus loin. Pour tous ceux ou celles qui vont payer ces gélules, je mets ma page à distribution. Ça veut dire que si quelqu'un a les gélules là et que la personne est au niveau de Lille, je vais faire la plus. Il dit tous ceux qui seront dans la zone de Lille et que vous voulez les gélules là, appelez telle personne. Lolo, je vais élever cette fille parce qu'elle mérite. Parce que quand elle sort de la torture comme tu torturais, je vais élever cette fille au maximum. Pour te montrer que la solidarité entre Camerounais, elle est plus dure et plus tenace que la mauvaise amitié des réseaux sociaux. Voilà comment on va dire. Il m'avait porté mes cartons. Il fallait dire que Amère Kamer porte les cartons. Attends, j'appelle même ma soeur compresseur. Peut-être qu'elle ne dort pas encore. Parce qu'après, elle ne pourrait plus appeler.
qui insulte les autres. Tu vas voir que Compresseur ne va pas viser. À Compresseur, répond ainsi, tu es en live. Elle ne dit pas qu'elle est mariée, elle dit qu'elle est femme au foyer. On voit comment elle prépare pour son mari. Ouais, ma copine, c'est comment, non? Il dit que, ouais, je vais le reparler, maman. Maman. Je lave bien. Les ténébreuses, les mendiantes, ils ont dit, oh, ça habite dans les ponts. Oh, j'habitais dans le pont, ils ne sont jamais venus ouvrir le litige qu'on m'aide. Je n'ai jamais demandé de l'aide à personne. Tu es resté avec intimité. Je suis resté, c'est ça qu'on dit, la fierté d'une femme. Je suis resté avec mes enfants, tête haute. Je me suis remise de mes deux pieds. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Non, celle-là qui avait les longs ongles demandait de l'aide. Hein? Les enfants sont déjà traumatisés. Jusqu'à... C'est toi qui nous as fait en sorte qu'on sache que l'enfant dit que tap, tap. À un moment donné, l'enfant de 2 ans dit tap. Vous avez entendu, non? Parce que moi, quand on peut sortir, tu connais que quand il prend un dossier, je me mets sur le dossier. Je dis que. Il nous manque le tableau. Ouais, c'est le tableau du village qui nous manque. Le tableau. Ouais, mais le tableau. Ouais, non, Eric, le tout aussi. Tous les mendiantes là, des ténébreuses, venez encore là les réseaux. Là, comment j'étais une mendiante, mais je n'ai jamais fait le salam à quelqu'un. Ce sont elles les premières mendiantes internationales jusqu'aux enfants. Mm-hmm. Mon Dieu. Mon Dieu. Donc, tout ça, même la fille, elle me lavait comme ça, elle appelle le kaolo. Hey! La fille a quitté l'Allemagne pour venir dire qu'elle va me taper, me bastonner à Paris sans kaolo, maman. Non. La fille a. Hein? Hey! Elle a fini avec. Tu sais quoi, tu sais. Compris? Tu sais ce qu'on appelle que le temps fait le palabre. Le temps non, a fait ton Dieu. Palabre. Non, Dieu est fort. Elle est claire. Le karma, le karma. Le grand. Les gars, t'as dit, elles sont en train de voir le Wonder Foot. Le karma. Et t'es dit, ça. Elle se remet à m'appeler. Elle dit le gré. Laisse. Je vais les traiter. Et t'appelles seulement comme ça pour qu'on. C'est comment tu es, Bassa, non? Allez, Chaîne. Chaîne. Tu es au salon, je suis ici. Non, c'est pas une raison. Okay. Pour montrer que tu es tellement. Tu fais comme tu veux à l'époque. Mais tu es au salon, non? Ouais, pardon, compris, tu laisses, pardon. Dis à mon beau que c'est de ma faute. Dis à mon beau que c'est de ma faute. C'est ce qu'on appelle alors une femme mariée. Ça veut dire que son mari avait dit qu'après 22 heures, pas de live. Vous avez vu comment elle est intervenue, non? Elle a dit, compris, pardon, je ne veux pas. Vous avez entendu, non? C'est ce qu'on appelle je suis marié. Le gars est intervenu pour dire que pardon. Tu as trop parlé, laisse. C'est ça qu'on appelle une femme mariée. Ça veut dire que même pour prendre le téléphone, il faut l'accord du mari. Vous avez vu l'intervention du mari, non? Allez chez l'autre. 2 heures du matin, elle fait les lives. Minuit, elle fait les lives. À tout moment, elle fait les lives. Voilà la vérité. Voilà la différence entre deux personnes, entre quelqu'un qui est en couple. Son mari a seulement dit que pardon, le téléphone à 7 heures, je ne veux pas. Elle a raccroché direct. Ok, bon, on fait comme ça alors. Ciao, ciao.